Un jour, une grande personne a dit « Le changement, c'est maintenant. La seule chose qui est dommage, c'est que cette grande personne soit devenue présidente de ce pays juste derrière. » Non, je rigole, on n'est pas sur CNews. On n'est pas là pour parler politique, c'était une petite vanne. Si je dis « Le changement, c'est maintenant », c'est vis-à-vis du fait que nous sommes toujours lundi matin au moment où je tourne cette vidéo, comme mon ancienne vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardé, je vous invite à le faire. Mais c'est même pas, je vous invite, je vous menace à le faire, parce que sinon, moi, je suis pire que Bosch. Je vous attrape, je vous encule, voilà, parce que je propose du contenu gratuit. Vous êtes abonné à cette chaîne, vous le regardez, sinon je me ZF. C'était une menace qui était pas très très crédible, on est d'accord. Pourquoi je dis le changement c'est maintenant? C'est tout simplement parce que j'ai essayé d'instaurer une autre ambiance par rapport à la vidéo d'avant, hein. Regardez un petit screen, j'ai mis une petite lumière, on ne voit plus trop ma trottinette d'employé des 3-8, j'ai fermé la fenêtre. Et en plus, regardez, il y a qui pour cette vidéo? Il y a un petit chat qui est dans ma chambre et qui traîne. Ça va Aneta? Hein, tu vas bien? Avec Aneta, on s'entend toujours bien, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, mais en ce moment je la garde parce que ma mère est indisposée pour la garder, donc ça me fait plaisir de la voir. Mon chat, ça va faire plus de 3 ans que je l'ai, elle déteste que je la porte. Regarde, elle est pas sereine, elle aime pas. Et là, si je reste comme ça, voilà, elle part. Elle part, et en ce moment, en fait, ce qui est trop drôle, c'est que elle cherche toutes les sources de chaleur possibles, parce que chez moi, c'est pas, fait pas hyper chaud. Hein. En fait, j'arrive toujours pas à faire fonctionner mon chauffage, donc faut que je sois honnête avec vous, il fait pas hyper chaud chez moi. Et du coup, elle, elle trouve toutes les sources de chaleur, et une des sources de chaleur les plus évidentes pour elle, c'est ma table de son, ma Midas MR18, où elle se pose dessus littéralement comme ça, regardez la photo, et c'est assez marrant, voilà, donc vive les chats, et on vous aime. Dans la dernière vidéo, j'avais deux sujets à aborder, j'avais le sujet, bah, du coup, de un peu mes craintes de Black Ops Cold War, c'est ce que j'ai fait, et je voulais vous parler de pourquoi cette semaine je suis pas là, sauf que du coup je me suis dit tiens, si tu fais deux games dans la même vidéo, ça fait que bah tu dis tout en une vidéo et pour le reste tu risques d'un peu galérer, donc on va dispatcher en deux, c'est la mentalité d'un créateur de contenu. Donc je vous dis aujourd'hui pourquoi est-ce que je pars de France pendant quelques jours, hein, juste le reste de la semaine, hein, y a rien de très grave, enfin y a rien de très grave, y a des petits soucis, mais bon c'est pas dramatique non plus. Je vais vous expliquer tout ça et ça fait plaisir, donc c'est parti. Rebonjour, nous rejoignons des games qui sont déjà lancés. C'est le jeu qui décide de ça. Bon après au moins il me met dans... Il me met dans la team des gagnants et ça... Voyez-vous, ça reste ça, quel plaisir, surtout qu'en face ils ont l'air d'avoir des pinces de crabe et ça, ça fait plaisir. Je tiens à prendre ce début de vidéo pour mettre... Pour mettre un SO... Oh, il est pas content lui. Pour mettre un shout-out énorme à tous les frérots du The Event, que ce soit les streamers, les organisateurs... Il m'a défoncé. Les organisateurs ainsi que les viewers, ceux qui ont donné et ceux qui, même s'ils n'ont pas donné, ont participé à la réussite dantesque du truc. Hein. 5,6 millions, 5,7 millions, j'y ai participé l'année dernière. Après les 3 millions, je pensais pas que, tu vois, on réussirait... Enfin, vous réussirez encore, tu vois, à faire dépasser tout ça. Bah si, vous avez réussi, ils ont réussi. Et ça mérite des félicitations énormes. J'y ai pas été cette année. D'ailleurs, quand Zerator est venu me le dire, tu vois, limite, il prenait un petit peu des pincettes, tout ça. Il y a pas de souci. Tout simplement parce que lui, il est bizarre. Lui, il joue bizarrement, lui. Toi, t'es chelou. Toi, t'as pas de potes. Ça, je reconnais. Il y a pas d'amis, ça. Et attention. Troisième. Toi au fond là. Lui il rend ouf. Campeur de merde. Cinquième. J'ai fait une jolie série de 5. Donc non, plus sérieusement, quand il est venu me dire que j'y serais pas cette année, parce que tu sais, ils ont rotate un petit peu les streamers, tu vois, il y en a certains qui ont été réinvités, d'autres des nouveaux, tout ça, machin. Il y a absolument, et ça c'est ma mentalité, tu vois, aucune raison de mal le prendre, dans le sens où déjà, bah, The Event, ça ne m'appartient pas. Et dans le second temps, tu vois, j'ai été très content de pouvoir y participer une fois. Derrière, tu vois, c'est une fantastique initiative, tu vois, collective pour pouvoir, tu vois, donner à une association. C'est pas pour que des intérêts personnels s'y mêlent et que des gens, tu vois, prennent mal le fait de pas y être. Zerator nous doit rien, et si on y est, c'est tant mieux, si on n'y est pas, c'est pas grave, tu vois, on a aucune légitimité. Oula, légitimité pour mal le prendre, tu vois ce que je veux dire? Si un jour je suis voué à y être à nouveau, tant mieux, sinon, bah, y a pas de problème. On soutiendra fort comme chaque année. Hop là, série de 6, magnifique, super, ça se passe bien. Série de 7, super, ça se passe toujours bien, les amis. Ça se passe toujours bien pour l'instant. Série de 8, ça se passe encore bien, hein, Nadav, les gars. À côté, faut pas faire le suceur de cloud, sinon t'imagines... Ouais, les gars, vend aux enchères t-shirt The Event 2019 dédicacé officiel. Non, fils de... Mais toi, je te déteste! Toi, je te déteste! Regarde comment tu joues! C'est pas normal, ça!
J'étais en série pour le drone amélioré. Je me suis souvent branlé pour des ADAV, j'aimerais bien me branler pour autre chose que des ADAV là, tu vois. Je pense que je peux sensiblement faire mieux, vous voyez. Un kill, super. Give me more, donne-moi plus, je te suis, on va dans le point, allez. Allez, cousin. Oh, dans le chiot. Dans le chiot, dans le chiot, dans le chiot. Tu peux pas battre des mecs dans les toilettes, c'est impossible. Donc, pourquoi est-ce que je suis pas là cette semaine? Alors, j'ai eu un petit souci d'ordre personnel, on va dire, d'accord? Rien de trop grave, mais ça nécessite de ma part de partir quelques jours pour m'aérer un petit peu l'esprit. Tout simplement parce que, bon, voilà, les mauvaises nouvelles à des moments, ça fait déjà quelques temps que je vous ai dit que il me fallait quelques jours off. Alors, je sais que certains ont envie d'avoir, tu vois, des problèmes qui les font partir. J'ai envoyé du sale, là. Pour finir la game, j'ai envoyé du sale. Petite killcam finale, regardez, hop, petit double, c'est dommage, enfin c'est petit trip du coup parce que derrière là avec ça j'aurais pu balancer, regarde la petite série 4 mais j'étais attendu. 25-8 en vitesse comme ça, ça fait plaisir. Ta gueule toi, 8-18, t'es nul. Donc non, plus sérieusement, effectivement j'ai eu des petits soucis d'ordre personnel, ça fait que j'ai dû prendre un peu de temps pour moi cette semaine histoire de me rafraîchir un petit peu l'esprit et passer un peu à autre chose. J'irai pas plus loin dans les détails pour préserver un peu ma vie privée, donc je vous prépare ces vidéos là en espérant que ça vous fasse plaisir. Merci de votre soutien parce que je suppose que vous allez me soutenir dans ce temps un petit peu difficile. Je vais en Bulgarie à Sofia, d'accord, pendant 5 jours, donc si vous avez quelques plans à faire, des trucs à visiter qui peuvent être sympas, s'il y a des amis bulgares dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour ma part, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous.